Le nou ap gade a travè l'Europe, nan Angleterre e nan Amerika, nou wè ke tout ekonomi yo ap degringole. An pil bank krasè, an pil manifestasyon fèt, e answit, polis kase an pil tèt. Le nou gade Afrika, nou wè ke se ravaje, nasyon yo ap ravaje Afrika. Moun ap mouri a koz de manje, à cause que pa gen de l'eau, à cause de toutes sortes de maladies que yo bay pep ki na Afrika yo. Tout problème sa yo ap gen pou yo vin Haiti tou. Mais malgré ça, nou wè que se kounye la que yo ap achete Haiti nan men nou pi red. Se kounye la que yo ap vole Haiti nan men nou pi du. Pendant kay pa kapab von nan Amerika, kay ap von Haiti pou gwo l'ajan ke pep ki rete Haiti ya pa kapab menm jwenn pou yo kapab rete. Men, pou ki sa? Pou ki sa nou peyi ki te gwo trembleman de te, se lè sa pou tout nasyon sa yo vide Haiti? Pou ki sa? Rezon wan pou nou kalkile li byen li komanse depi lontan. Nan 1492, Christopher Colomb te vin ateri Haiti. Depi lè sa, l'Europe te debake pou yo domine tout le monde ansye. Yo ravaje peyi apre peyi. Yo touye moun apre moun. Lè Christopher Colomb te rive Haiti, li te jwen plis ke 15 milyon moun nan espas de 50 an, yo redwi populasyon Haiti jiska 200 mil moun. Sa vle di ke nan 50 an, yo touye 14 milyon 800 mil moun. Maman, pitit, gran moun, yo touye tout san konsiderasyon. Men, nan 1803, bagay yo komanse chanje. Nan 1803, nou te pote viktwa. Depi lè sa, yo rayi Haiti. Depi lè sa, yo semente ke Haiti pap jam anye. Yo semente ke Haiti pap jam pase pou yo bon ekzanp. Paske apre bon Dieu te libere Haiti, Haiti libere Colombia, Venezuela, Ecuador, Peru, Bolivia. C'est peut-être ça qui fait yo rayi nou kon sa. C'est peut-être ça yo semente que nou pa jan Dominican. An nou fò ti pale de Haiti. Nou konnen que Haiti son nation que yo rayi an pil. Yo rayi Haiti an pil à cause que nou te mette tout l'Europe derrière Haiti. Apre sa, nou pran Simon Bolivar, nou libere Amerika de Soud. Depi lè sa, nou wè ke Haiti se yon nan nasyon ke yo plus rayi o le monde. Tout sa pa bon, yo di se Haiti. Yo menm fè ke pou nou kwè ke nou jwen edependans nou avèk seremoni voodoo. E nou konnen bien sûr ke se men bon Dieu menm ki delivre Haiti. Jésus te di a gauche pal ke Satan pa kapab divize kont Satan. Paske ou kay ki divize pa kapab kampe. Se pat Satan ki te bay Haiti delivrans. Se pat Satan ki te libere Haiti, se te men bon Dieu. An nou sispan bay Satan gloa ke bon Dieu merite. Pou ki sa yo rayi Haiti kon sa? Pou ki sa tout bagay ki pi pa bon yo di se pou Haiti, yo di se Haitien? Pou ki sa? Paske Haiti se pep bon Dieu. Haiti se yon nan pitit Israel yo. Haiti se yon nasyon ki pote nan bon Dieu. Yo kon sa, tout moun ki nan gwo kote nan Europe, nan Amerika yo,
Tout moun sa yo kon sa, me yo pavle nou konen. Paske si nou konen ki moun nou ye, si nou konen nou se pitit bon Dieu, si nou konen nou se pitit Israel, si nou konen ke se bon Dieu ki te ban nou viktwa sou l'Europe, ke se pap Satan, nou ta bay bon Dieu gloa ke li merite ya, e nou ta piyou gwan problem pou tout inikite nan tout le monde. Rezon ki fè ke yo rayi Haiti kon sa, se paske Haiti se youn nan piti Jacob yo. Haiti desante de Israel. Haiti se youn nan pep yo, e gen plizye tout patou le monde. Men Haiti se youn nan pep yo ki pote nan bon Dieu. Ki pote nou wè sa? Koman nou fè konè sa? Nou wè sa nan la Bib. Men, gen plizye verjon Bibla. Versyon ki pi bon, se versyon wa Jacques. Pou ki rezon, le nou gade nan Bib kreyòl la, nou wè ke gen pil mo ki nan Bib anglè ya, gen pil bagay ki nan Bib anglè versyon wa Jacques la, ki pa nan Bib kreyòl la. Se pwetèt sa, le nou ap li Bibla, il fò ke nou gen plizye versyon pou nou ka kompare yo, pou nou wè ki sa parol bon Dieu di. Men, pou ki sa m di ke Haiti pote non bon Dieu, sa nan Bibla. An nou komanse avèk Proverb 30, pou nou wè ki sa la parol bon Dieu di. Proverb 30, verset 1 ak 5. Parol agi, pitit jake. Même prophétie, l'homme n'a te dit Itayel, même à Itayel et Yukal. Bien sûr, moi pi brut que n'importe l'homme, et m'pake comprenne yo l'homme. Moi ni apprendre sagesse, ni ge connaissance de saint. Qui est-ce qui te monte en haut, en dans ciel là, ou bien descend? Qui est-ce qui mare gloyo nan yon rad? Qui est-ce qui établit toute extrémité terre? Comment li rele? Et qui jan petit li rele? Si ou capable di? Toute parole bon Dieu pure, li sen yo plaque protège pour sa yo qui mette confiance yo nan li. Nan proverbe sa, nou wè ke parole la mande nou si nou konn non bon Dieu. Si nou kon non pitit li ya, pou ki sa? Se paske kounye la nou pare le bon Dieu avèk noni. Nou pa kon noni. Nou pare le pitit li ya avèk noni. Paske nou pa kon noni. Nou pa chache, nou pa chache konesan sa. Nou pa chache kopran bon Dieu. An nou wè kouman bon Dieu rele. E an nou wè kouman pepli ya rele. Le nou gade nan Isaïe 1, verset 6, nou wè non bon Dieu. Excusez-moi, Isaïe 1, verset 24, an nou li li. Eh bien, di Seigneur ya, l'Éternel de la main, sa ki tout puissant nan Israël la, ah, mwen pral kalmim de tout avèsèm yo. Et pour vengeance moi sous un mignon. Nous voyons dans Isaïe 1, verset 24, que bon Dieu, à bouche pâle, relève tête li, ah! À nous lire encore, pour ça qui pas tant de bien. Isaïe 1, verset 24. Eh bien, dit Seigneur, l'Éternel de la main, ça qui tout puissant dans Israël là, ah! Mwen pral kalmèm de tout avèsèm yo, e pran venjans mwen sou enmim yo. Nou wè ke, se yon nan non bon Dieu yo. E, bien, nou konè bien ke, ou bien ya, gen moun ki di ja, sa se yon nan non bon Dieu ke bon Dieu te di avèk bouch pal. Men, ki sa profèt yo di? Gen plizye profèt ki rele, bon Dieu,
Et pour qui ça que m'a dit nous que bon Dieu relève A, c'est parce que c'est même A ça qui n'a A ici. Alors si l'autre prophète y aurait le bon Dieu A. Dans Jérémie 1er verset 4 à 7, il dit, après ça, mon bon Dieu a vint sur moi. Il dit, avant que moi t'ai formé ou dans ventre, moi t'ai connu. Et avant ou t'ai sorti dans ma matrice, moi t'ai sanctifié ou. Et moi t'ai ordonné ou, yo prophète, pour nation yo. Et puis, moi dit, ah, Seigneur Dieu, gardez, moi pas qu'à parler, parce que c'est si moun mouye. Nous voyons que Jérémie, t'es bon Dieu, ah. Et ce n'est pas Jérémie seulement. Les nous lit Bible là, surtout dans la version roi Jacques là. Nous voyons que le prophète y aurait le bon Dieu a plus que 20 fois. A, c'est yon nan nom bon Dieu. A nous voyons qui ça? A nous voyons qui ça? Isaïe 1er verset 4 dit. Parce que Isaïe 1er verset 4 fait nous apprendre que bon Dieu t'a une nation que lui t'a relé après non pas A. Isaïe 1 verset 4. A. Nation plein péché, yon peuple chargé avec iniquité, yon graine des méchants, timoun qui se corrupteuse, yon abandonné Seigneur ya. Yo provoqué ça qui tout puissant dans Israël là à colère. Yo allé loin devant derrière. Les nous garder commencement verset, nous est bon Dieu qui a parlé. Bon Dieu dit ah nation plein péché. Yo peuple chargé avec iniquité. Ah que Isaïe t'a parlé ya. Ah que bon Dieu t'a parlé ya dans Isaïe 1 verset 4. C'est nation Haïti. C'est même à ça qui n'a Haïti. Mais nous demandons comment c'est Itia. Pour nous joindre Itia, il faut que nous retournions dans Proverbe 30, verset 1er. Parce que mot, ce bagage qui est très important, mot qui tout le monde dans la Bible, qui a une significance. Et les nous chercher significance moi ça aide nous comprendre ça que nous appelons et les ba nous comprendre de toute Bible là entièrement dans Proverbe 30 verset 1er il dit parole à lui petit Jacques même prophétie l'homme n'a te dit à Itiel même à Itiel et Yukal. Mo itiel sa li pa nan bib kreyol la. Pou ki sa li pa nan bib kreyol la, sil nan bib kreyol la, gen moun ki ka vin ouve zye yo, gen moun ki ka vin mette 2-3 bagay ansam, pi yo vin dekouvri bagay ke l'Europe kache. Ki sa ke yo kache? Haiti se pep bon Dieu. Itiel, mo sa ki nan proverbe 30 verset 1er ya, li signifie Dieu avem. Iti signifie avem. El signifie Dieu. Iti, el signifie Dieu avem. C'est même Iti ça qui n'a Haïti. Puisque nous connaissons qui ça mot ça veut dire. Nous ka konnen ki sa iti a vle di nan a iti. Si a se nom bon Dieu, iti vle di avem, a iti vle di bon Dieu avem. Se poutet sa bon Dieu toujou ap di ke pepli a pote non, ke nasyon nan pote non. E nou we a iti, c'est un peuple qui n'y potait non bon Dieu et nation yo gen non bon Dieu aussi.